tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pâte à slime très rapidement. C'est parti. Alors donc on prend de la farine, donc on va en mettre sur un plateau. Voilà. Ensuite on va mettre un petit peu d'eau. Hop, donc on en met un petit peu. Voilà. Après, on va mettre du savon. Voilà, un tout petit peu. Et on va essayer de malaxer. Alors, donc c'est pas grave si on en met partout. Donc justement, on va reprendre un petit peu l'eau pour la remettre là. On malaxe. Alors le savon en fait ça sert pour que ça sente bon, du coup c'est normal. Voilà. Parce qu'après sinon la pâte elle sent comme la farine et tout. Ensuite on met après, donc là vous voyez ça commence à se former un petit peu la pâte. Donc on remet un petit peu d'eau. Donc, on va faire très attention. Hop, donc on va en remettre un tout petit peu, on va faire un petit puits. Voilà. On en remet petit à petit. Voilà, donc là aussi. Hop. Voilà. Après, on en remet encore un tout petit peu. Donc vous voyez, là, la pâte se forme. On va faire un tout petit puits. Et on va mettre l'eau. Hop là. Et on malaxe bien. Ensuite on va faire un colorant. Donc si vous voulez les rester blancs, ça va rester comme ça. Sinon vous pouvez mettre du colorant. Un petit peu de colorant. Donc voilà. Donc on met de l'encre. Donc vous pouvez en mettre une bleue. Aussi des rouges, des jaunes, comme vous voulez. Voilà. On essaie de bien presser. Hop. Hop là, une première. La deuxième. Donc on essaie de bien presser. Voilà. Ah, elle est bouchée. Et ce n'est pas très grave. Ensuite, nous allons passer à l'autre. Voilà, donc vous voyez, ça sort. Hop là. On va mettre du savon. On va mettre un peu plus d'encre. On va mettre après du savon pour que ça sente bon. Voilà. Et on malaxe. C'est parti. Voilà. Donc après cette pâte à slime, en fait, elle n'est pas chimique. Il y a juste le savon après qui est un petit peu chimique. Donc on va remettre un petit peu d'eau. Voilà. Vous voyez, on prend un petit peu l'eau qui sort. Vous voyez, ça prend forme. Hop. On remet de l'eau encore. Pour, en fait, quand ça colle, vous voyez que ça colle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous remettez de l'eau. Voilà. Donc ça commence un petit peu avec la couleur là. Voilà. Donc là, il y a de l'eau. Donc on va reprendre ici. Hop. Voilà. Du coup, je disais en fait que la pâte à slime, elle était naturelle.
était bio, sauf le savon qui était juste, bah, voilà, fait avec des produits chimiques. Voilà. Donc vous voyez, là, ça colle un petit peu. Du coup, on va remettre un petit peu de farine. Vous voyez, on va mettre un petit peu de farine là. Vous voyez le bleu un petit peu de nuit. Et maintenant, on va mettre de la farine. Voilà, ici. Et voilà. Alors, du coup, on met l'axe. Parce qu'en fait, quand ça colle, il faut bien remettre de la farine. Donc, on met l'axe. On malaxe jusqu'à ce que ça ne colle plus trop au doigt. Vous voyez, donc là, il y a déjà le plus gros qui ne colle plus au doigt. Donc là, on va essayer de prendre une forme comme ça, par exemple. Essayer de prendre une belle forme. Alors, donc si ça en met partout, c'est pas très grave. Hop là. Donc on malaxe. On malaxe. Donc jusqu'à 5 minutes. Voilà. Et du coup,